Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Windbound Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On était. Personne vient au moins. Problème qu'il y a quelque chose là-bas, on va y aller. C'était l'île. Non, ça peut pas être celle-là parce que celle-là, j'ai déjà. Là, je vais juste direct dessus. Je sais ce qu'il y a là-bas, là. Des fois, si je jouais à Sea of Thieves, ce serait pas nice. Ça, c'est une mauvaise idée. En grande partie parce que lui va me tuer d'un coup. T'es sous l'eau, toi. Thank you.
comprendre ce qu'on va trouver d'intéressant sur cette île. Il n'y a pas de nourriture. Bon bouc intéressant. Carcasse. Il y a deux animaux là-bas qui pourraient servir. Il y a quelque chose là-bas. Bon, en espérant que j'ai de la place. Oh, la viande, bon. C'est bon, moi j'ai pas venu ici pour rien. Je pourrais juste pas tomber sur le lien, ça peut être compliqué. Bambou qui peut être intéressant. On dit, il y a des limites de plumes qu'on peut ramasser aussi, ça donne rien si quand je fais pas de construction avec. Du bois là-bas qui m'intéresse. C'est ça. Chose ou c'est rien? C'est rien. Le lien a changé de sens.
Ah. Rien aux aboukans. Tiens. Stratégie. Qu'est-ce que je peux faire comme construction maintenant? Oh, j'ai du cuir. En vrai, c'est du bois qu'il me faut. Hein. Le bois, d'après moi, je l'ai fait avec une hache. Une hache. Il me faut un mâchoire de griffe obscure, j'en ai pas.
Qu'est-ce que j'ai l'autre bord? C'est quoi que je viens d'avoir là? J'ai de la viande avariée, je sais même pas. Je vais la garder, ça sert de quoi ça? Une corne de tracker. La structure unique de la corne de tracker des landes permet d'accumuler des grandes forces sous tension. Un arc, ça veut dire peut-être? C'est ça. Ah, il m'en faut deux en plus pour faire. Waouh! Je vais enlever un fil de soie. Des feuilles de palmier puis des cordes. Une corde. Ça peut faire de mal à perdre d'ajouter une couche supplémentaire entre la profondeur de l'océan et vous. Ouais. On construit une corde pour voir. Et là, si je vais là, là, je vais me faire un morceau comme ça. Ça va faire quoi? Ah. Ouais. J'en aurai besoin. Oh. Es-tu brisé? Ah non. Le nick. Le hic plutôt, c'est je vais où? Alors, je vérifie mon bateau tantôt si j'ai pas quelque chose à réparer.
Il y en a une là que j'ai pas trouvé. À moins que là-bas, c'est là pour aller. Peut-être que ça donne la solution. Va là pour réussir. Peut-être là qu'il y a un monstre, faut que je batte. Donc j'irai du mauvais côté présentement. Allons voir. Un feu là, on peut peut-être vérifier peut-être que je peux faire que sur mon chemin. Le bateau, il est pas sur sa plus grande vitesse, hein? Moi, j'entends ces cris de bibitte là, il me stresse. Ah, j'ai pas assez d'argile, puis de l'argile, il y en a-tu ici? Ah, il y en a là. On faudrait rien qu'il y ait un autre. Ah, ça, c'est intéressant. Et là, le totem de bénédiction et les potions sceptes. Trois. Juste un autre, ça aurait été nice. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Bon, ben. Pas grave. Faut tout avoir dans la vie.
Bon. Ah, je vais sauvegarder. Je pense que c'est une bonne place à sauvegarder. Si on a avancé un peu, ça serait plate de mourir. Ou de perdre des éléments intéressants. Non, descend. Bien aligné. Encore mieux. Là, on est aligné. Chose à bout aussi qui m'intrigue. Hey, collé! T'es calice sur mon bateau, toi. La queue de croment fraîche, délicieuse après une cuisson peut être dégustée crue pour chasser la faim, mais l'effet révitalisant sont temporaires. Ben. Ok. L'île est juste là. On va aller la faire cuire tout de suite, on va sauver du temps. Là, je vais réparer mon bateau en temps de sa cuit. Et là, la petite pépite de merde, elle a brisé mon bateau. Là. Je peux faire un pot. Intéressant. Okay. Mais... Et je vais faire un feu pour voir... Non, c'est pas ça. Là. Après, on va aller voir si on peut réparer notre bateau. Réparer. 100% santé. Réparer une corde. Et donc je reviens là. Là et maintenir. Oh. Il était où le pot? J'ai le pot. Pas de pot d'argile. Je pense que j'ai appuyé dessus. Faut en faire.
J'ai pas de la roue de peau nulle part. Elle était où mon argile? Juste ça. Allez, on y va. On y va. Bon. Direction tout droit par là. On va changer juste le cap parce que là ça marche pas en tout. Direct dessus. On dirait le vent est pas avec nous du tout là, il est en pleine face. Mais là on pourra y aller en diagonale. On reviendra. On fera du gauche-droite. Ça fait peur cette musique là. La trois îles en espérant qu'il y a de la nourriture dessus.
Ouais, comme 5 il. Ça va assez vite que je vais attendre de mourir en mer avant d'arriver. Finalement, il y a juste une île. Il n'y a pas grand nourriture là-dessus, là. Ben, qu'est-ce que c'était? Opinion. C'est là, on va soi. C'est un cochon. Comment m'y rendre? Viande, excellent. Augmenter notre niveau. Oh, champignons. Ah!
Allez, t'es là. Lève-toi. Et one shot. Et one shot. Clique les déchirures soulagées de son fardeau. Yes. Que je vois pas. Ah, c'est ça. Tu fais une shot, tiens, toi. Ça, c'est bon, là. Ouais, ça valait la peine. On a battu le mince. Plus, on a eu de la soie. Et de la viande. Et on est pris là. Oh, il y a un champignon qui est là. Pas à voir. Oh. Ok, on est sorti de là. Ah, t'es capable de sortir de là. Non, on peut tout le temps sortir par ici, selon moi. Eh oui, bon. C'est bien. Salut Matt, comment ça va, l'homme saucisse? Je vais sauvegarder, bah c'est parfait. Bon. Là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? L'idéal, ce serait de retourner là. Matt Barber. Petit île là, on va le voir dessus tant qu'elle est là. Là, on descend de ça. Arrêter, ça fait du bien, ça.
Je passe. Je suis sur une nouvelle île. C'est pas là que je pensais aller, mais. Tant qu'on est là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. C'est sur l'autre que je visais, moi. Ça fait quasiment peur. Qu'est-ce qui est ça? Je peux pas me permettre d'aller là d'après moi. Je vais mettre l'autre morceau de viande ensuite.
décoller. Elle est super grande, je trouve rien. Bon, j'ai rien trouvé ça d'intéressant pour ce bateau.
n'en a trouvé rien d'intéressant. C'est pas nécessairement vrai d'en trouver beaucoup de soi. Moi, je pense qu'on vise, c'est là en face. Ne me faites pas de mal! Hey, oh le non, trop, c'est un raid amical! Un raid, on se fait attaquer par le 3345, la princesse de notre ami Bandy Landon. Si je me trompe pas, c'est ça? Si j'ai bien appris du maître. Hey, merci beaucoup. Première fois sur le chat, Julie M. Makuchuk. Oh non, pas toi! Non! Une minute. Décolle-toi. Oh oui! Il a mangé mon bateau, le petit maudit. J'ai presque perdu mon bateau. Oh, j'aime M. Julie M. Makuchul. Que bienvenue à la tribu du Caribou canadien, ma chère amie. Ça fait super plaisir de t'en follow. Oh, yeah! On a aussi notre ami Vami. Deux. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, je m'ai trempé, mais c'est pas grave. Je me trompe des fois avec les mauvaises animations. En toi pas. Là, on changeait de jeu bientôt, mais c'est pas grave. Et c'est super. Chef Patate. Chef Patate, en passant, c'est un bot. Des grandes chances qu'il vous réponde pas. Je dis ça de même, je dis rien. Où en étais-je? Ah oui. Donc, chercher quelque chose en particulier. Là. Merci beaucoup, mon cher ami, le 3345. Oh non. Il faut que je cours pour pas mourir. J'ai oublié de sauvegarder en plus. Oh non! Après ça, on va jouer à un autre jeu. Je pense qu'on va jouer à Mafia. Mafia, c'est un bon jeu. Là, je vais sauvegarder pour pas me faire tuer. J'ai pas envie de recommencer encore. On dirait Raph. Raph, c'est quoi? Un jeu ou... Le premier. J'ai déjà terminé le deuxième, mais c'est le nouveau rematérialisé. Ah ah! Là, ça a marché. J'étais tué le monstre, ça, je peux y aller. Ça, c'est un jeu qui a juste 5 chapitres. C'est bien, j'aime pas ça les jeux qui durent trop longtemps. Mais là, là, chaque chapitre, faut t'attraper. Tu vois, en haut, il y a des carrés ou plutôt des losanges. Là, faut que tu attrapes ces choses-là. J'en ai trouvé un deuxième. Là, il est ici. Je pouvais pas y avoir accès avant d'avoir tué le monstre. Là, le monstre est tué. Et là, tu viens ici, tu fais une interaction. Et tu l'as. Je m'étais dit que j'irais faire des boîtes, des déménagements après l'émission. Ben oui, ben vas-y. Des boîtes, tu déménages, semblerait. Le sang coule à travers les fissures de la coquille, le jour des choses a changé. Salut l'homme qui a vu l'ours. L'homme qui a vu l'ours. Et j'ai déjà vu un ours, moi, quand j'avais... j'en ai vu plein, mais pas si plein, ça. Mais un en particulier qui était dans la nature, j'étais à Banff, en Alberta. Et là,
Souvent, il y a des animaux au bord du chemin, donc tu les regardes, tu les analyses. Puis là, il y avait un couple d'amis, pas d'amis, mais un couple de vieilles personnes, personnes âgées. Ils regardaient, eux, ils regardaient comme au bord du canal, là. Ils regardaient, puis ils voyaient pas ce qu'on voyait. Et tout d'un coup, je vois l'ours atterrir derrière eux. Puis moi, mon anglais, dans ce temps-là, là, il était pas fort, fort. J'ai dit, « Hey, watch out, behind you. » Quand ils se sont tournés. J'ai jamais vu une femme se jeter à quatre pattes puis se traîner jusqu'à la porte de sa voiture. Tabarouette, c'était drôle. Elle l'a trouvé moins drôle, là, mais... Elle n'y est pas que des ours, c'était. Il voyait plus ce qu'elle était rendue, l'ours. Ben ouais, elle te la voit pas sur temps et derrière toi, tabarnak. Je vais appuyer là-dessus. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Windbound, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!